Salut à tous, 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 salut tout le monde, salut à tous, salut tout le monde, 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 salut les Yoshi, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Salut tout le monde. Hey les Yoshi. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hey les Yoshi. Salut tout le monde. Graou. Bonjour. Hey les Yoshi. 8 ans. 8 putains d'années. Salut tout le monde, c'est Ethan, 1975. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, comme vous avez pu le voir, pour marquer le coup. Puisque aujourd'hui, ça fait très exactement 8 ans que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Et donc je fais cette petite vidéo pour vous informer de quelques petites choses et aussi pour vous parler du petit événement qui va avoir lieu donc pour les 8 ans de la chaîne. Alors ce sera un peu moins ouf que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière j'avais fait un live 24 heures. Là on va rester un petit peu dans le même type d'événement mais en un peu moins développé. Et donc sans transition, bah, l'événement tout simplement ça va être un live... pas 24 heures du coup, mais quand même un gros live, plus gros en tout cas que les lives que j'ai l'habitude de faire. Donc durant ce live, il va y avoir pas mal de choses. Alors déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce live, je vais le faire sur Twitch, pas sur YouTube. Oui, je sais que du coup, quelque part, c'est un petit peu débile, mais j'ai arrêté de faire des lives sur YouTube et je préfère vraiment faire ce live sur Twitch parce que Twitch, c'est plus opti, c'est mieux foutu pour les streams et vraiment... Même si c'est pour fêter un cap YouTube, je préfère faire le live sur Twitch. Donc, le live aura lieu donc sur Twitch à partir de 18 ou 19h. J'ai pas encore fixé l'heure, mais à partir de 18 ou 19h. Et il se finira jusqu'à bah, quasiment 23h minuit. Ça non plus, j'ai pas encore décidé. Ça va dépendre en fait de l'heure de départ. Donc ça va être juste un gros live dans lequel il y aura normalement une partie FAQ. C'est pourquoi je vous invite dès à présent à vous diriger vers l'espace commentaire et me lâcher votre plus beau hashtag FAQ avec des petites questions. Alors de préférence des questions auxquelles j'ai pas déjà répondu parce que genre j'ai déjà fait 3 FAQ je crois depuis la création de la chaîne. Donc 3 FAQ sur 8 ans. Et ouais j'ai déjà répondu à pas mal de questions assez basiques, hein, notamment genre pourquoi le Yoshi, pourquoi 1975, ça c'est déjà fait, hein, voilà. Et en dehors de ça, il y aura aussi bah, du gaming. On va faire. En fait, je pense que le live qu'on va faire du coup ce soir, parce que bah, ce n'est pas ce soir au moment où je tourne la vidéo, mais ce sera ce soir pour vous, puisque normalement la vidéo sera postée le midi même où aura lieu le live. C'est-à-dire que si vous avez lancé la vidéo quasiment juste après sa sortie, bah, le live normalement c'est dans quelques heures du coup. Donc on fera un peu de gaming évidemment, on fera peut-être d'autres petites choses un peu chill, ça va dépendre de voilà du chat, de la bonne ambiance, de ce qu'il y aura, des moments chill, bref. Et je poursuis cette petite vidéo en vous faisant quelques petites infos et annonces au sujet de projet de la chaîne, comme j'ai l'habitude de le faire, je l'ai déjà dit. Alors, pour commencer on va parler un petit peu doublage, puisque comme vous le savez normalement j'ai commencé à faire du doublage sur l'attaque des titans dans un premier temps. Et normalement il y aura d'autres scènes qui vont arriver mais sur d'autres animés. Voilà, déjà on a du Inazuma Eleven qui est dans les tuyaux et aussi du Spy Family, donc restez aux aguets. Normalement d'ici la fin de l'année on devrait avoir quelques petits trucs qui devraient sortir à ce sujet. Mais en dehors de ça... Et c'est pour moi l'annonce la plus importante de cette vidéo. J'avais parlé il y a très longtemps, dans une précédente vidéo événement, d'un projet du coup qui serait dans la continuité du story mode. Story mode qui date de 2015, hein, les anciens s'en rappelleront. Donc le fameux projet SMA que j'avais teasé il y a quand même un certain temps du coup maintenant. Et je suis au regret de vous annoncer que ce projet va être soit annulé, soit mis en stand-by pour une très 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 longue durée. Pour la simple et bonne raison qu'un autre projet bien plus ambitieux a été mis en route. Alors je donnerai pas le nom du projet pour l'instant parce que je veux que les choses se fassent dans l'ordre, donc du coup je vais pas griller les étapes. Mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que ça va être un projet de doublage sur quelque chose de ma création. C'est lié au roman que j'ai écrit, j'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites des histoires de la chaîne je crois. Une ou deux, je sais plus. Mais... Ce projet donc sera basé sur les deux premiers tomes de ma série de tomes, puisque normalement il devrait y en avoir trois en définitive.
Et voilà, comme je l'ai dit, ce sera lié au doublage, évidemment. Il y aura du doublage, il y aura pas mal d'autres choses aussi dans ce projet. Mais je vais pas donner trop d'informations pour l'instant. De toute façon, vous aurez très probablement un gros teaser qui sortira quand le projet sera prêt. Donc voilà, exactement comme avant, je vous ai dit, restez aux aguets. Et pour le reste de mon contenu, j'ai pas forcément grand chose à ajouter dans la mesure où les choses vont pas trop bouger, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de gaming, des let's play, des tutos, des covers de temps en temps, entrecoupés de quelques petits trucs de doublage. Bref, il va y avoir tout un tas de trucs, mais rien de bien innovant, à part du coup les fameux projets dont je viens de parler. Bref, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps puisqu'il n'y a pas l'utilité. Retenez bien que l'événement des 8 ans de la chaîne, c'est ce soir, que vous pouvez poster des questions pour la FAQ et qu'il y a un gros projet qui arrive. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à checker la description pour les liens utiles. Et bien entendu, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis donc à ce soir, je l'espère, pour l'événement. Ou sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !